Et donc salut à tous et à toutes, c'est Shunart92, on se trouve aujourd'hui sur Need for Speed Rivals, donc le dernier Need de la série de Need for Speed de EA. Donc ce jeu est sorti fin 2013, donc assez récemment quand même. Et... Mais attendez, je vais lancer le temps de chargement pour accéder. Ok. Donc je suis pas connecté à internet, parce que, tout simplement parce qu'il y a un système dans ce jeu qui s'appelle All Drive qui vous connecte tout le temps à une partie. Et ça arrive assez souvent que le changement d'hébergeur fasse que, bah que ça vous coupe, trouvez coupé en plein milieu d'un truc, donc je préfère jouer en offline. Mais sinon, qu'est-ce que je veux dire? Oui, donc pour présenter rapidement le jeu, c'est un Need for Speed, un jeu de course comme d'habitude. Pour ceux qui connaissent la licence, donc selon certaines personnes, ce serait un Hot Pursuit 2 avec l'interface de Most Wanted. Donc il est développé par Ghost en association avec Criterion, donc ceux qui ont fait Most Wanted, ceux qui ont fait Most Wanted, il tourne, il est édité par EA, il tourne sur Frostbite 3, c'est-à-dire le même moteur graphique que Battlefield 4, je crois. Nous voilà sur le jeu, donc comme là, je suis dans le menu, je suis dans le menu, donc il y a la résumé carrière, enfin vous voyez un peu, il y a un peu. C'est vraiment en fait, comment je vais présenter tout simplement. Donc vous pouvez voir, on est dans le garage ici. Le garage, parce qu'on a deux côtés, on a le côté pilote ou le côté flic. Donc j'ai commencé par le côté pilote. Donc on a le résumé carrière, par exemple, qui me permet en fait de choisir trois listes. Par exemple, gagner la contre-la-montre, gagner une interception, ou totaliser 914 mètres. Enfin vous voyez, il y a plusieurs courses, donc j'ai commencé il y a très très peu de temps. J'ai dû jouer avec quoi, 1 heure maximum. Et le jeu est très prometteur. Hein. Pour le finir vraiment à fond, finir toutes les courses, tout ça, ça prendrait bien une vingtaine d'heures. Pour ceux qui ont la question, je joue avec une manette, c'est beaucoup plus agréable. Après, on peut avoir le speed list, les speed lists, c'est-à-dire la speed list, en fait, ce que je vous montrais juste avant, c'est ça. Il y en a trois par niveau, course, poursuite, conduite. Donc là, j'ai actuellement la course, mais je pense que j'ai... Oui, on a compris, ça commence ici. Ensuite, on peut choisir la voiture, donc au début, vous avez le droit à être... Une Cayman S, donc de base vous avez une Cayman S. Après, je sais plus si celle-là il faut la débloquer ou si on l'a déjà. Je sais plus, moi j'ai pas fait attention. Donc une Mustang, après il y a un assez grand choix de voiture. Comme vous voir, je fais un tour rapide sur la voiture, je peux pas les voir, non. Donc ça fait 8 ans qu'il n'y avait pas eu de Ferrari dans un Need for Speed, donc ça commence à faire un moment et ils ont décidé de renouer avec. Ah, une Veneno. Ils ont décidé de renouer avec, donc on va voir, on a les meilleurs parmi les meilleures voitures. Comme vous voir, il y a des. Ça va de la. Ça va de la muscle car à la. Une GT. Oui, donc ça. Il faut que j'arrive à parler, arrête de arrêter. Donc ça va de la muscle car à voiture de course. Je crois qu'il y a les 4x4 dans celui-là. Non, c'est dans Most Wanted. Ensuite, il y a autre chose qui est le dispositif de poursuite. Donc par exemple, ça permet. C'est des trucs qui permettent en fait, parce que généralement c'est des courses contre la police et donc le plus souvent active des trucs. Donc moi j'ai choisi un turbo, on peut prendre des mines, des ondes de choc, enfin vous voyez, des choix assez larges. Là on peut en avoir deux. Attends, c'est quoi les commandes? C'est Y et B. Je suis pas au courant. Ensuite personnalisation, par contre la personnalisation est pas très très poussée. Moi qui ai joué à Forza, je suis resté un peu sur ma faim. On peut faire une légende, voilà, un peu. On peut mettre des bandes, des décalcos. Ah ouais, c'est pas un petit choix, mais bon. Mais bon, j'ai déjà connu mieux personnellement. Après, look, il y en a qui, y a déjà des looks prédéfinis parfois. Oh putain, le son a bugué, je crois. Enfin bref, après, on peut je me personnaliser la plaque d'immatriculation, donc c'est quelque chose d'assez sympa. Il y a pas mal de choix, donc moi j'ai mis celle-là. Hop. Ensuite il y a des améliorations mécaniques, donc là c'est aussi, je suis resté sur la fin comparé à je compare tout à Forza, hein, je sais, mais c'est une question d'habitude. J'ai beaucoup joué à Forza Motorsport 4, 1, 3 un peu moins, et beaucoup à Horizon, et donc question d'habitude, j'ai l'habitude d'avoir beaucoup de choix de personnalisation. Bon là c'est vraiment simplifié, il a une prise en main très simple. Donc je vais passer du côté des flics. Attendez, je vais juste vous montrer la map juste avant. Donc voilà,
La map à peu près, elle est assez grande. Enfin, assez grande, elle est grande. Elle est pas énorme, mais elle est grande, elle est largement assez grande. Surtout que là, vous voyez que les routes principales, parce qu'après, il y a plein de petits chemins, des tremplins. De quoi bien s'amuser, quoi. Et donc là, vous pouvez pas le voir parce que je suis hors ligne. Mais normalement, sur ici, où il y a marqué joueur en session, je peux pas vous montrer. Avec la souris, je peux pas vous montrer. On peut être jusqu'à 6 joueurs sur une partie. Et donc après, on voit les joueurs s'afficher sur la carte ou bah, tout simplement au jeu. Ensuite, il y a bah, les paramètres All Drive, mais là, vu que je suis en solo, je ne peux pas. Donc, vous voyez, il y a plein de trucs boutique, c'est quoi ça? Ouais, non. Après, il y a les paramètres, enfin bref, tout ce qui va avec. Et ensuite, on va faire un tour du côté des flics. Donc voilà, on a deux côtés, on a le côté des pilotes et le côté des flics. Donc, mais les flics, ouais, ils ont le même patrouille, infiltration, attention. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de choix, donc changer de mission. Ensuite, vous avez le choix de voiture, donc de... Ah, attends, j'en ai débloqué des voitures, j'étais même pas au courant. En fait, chaque voiture, vous la disposez plusieurs formes. Donc, il y a la forme normale, la forme intervention, donc c'est-à-dire bien baraquer, vous pouvez rouler sur tout le monde, et la forme infiltration. Et en fait, dans la forme infiltration, vous êtes vraiment camouflé pour infiltrer les pilotes. Ensuite, vous voyez, il y a plusieurs voitures. Et après, on peut débloquer de nombreuses voitures, comme des Aston, des Camaro. Ma recherche, je connais pas des Bentley, enfin bref. Oh, la Shelby, putain. Ah, la mission 4, faut que je la fasse celle-là. Après, il y a les dispositifs de poursuite, exactement comme les pilotes. Et le seul truc qu'on peut personnaliser, c'est les plaques d'immatriculation. On va retourner du côté des pilotes. Donc, si vous avez remarqué, il y a juste en dessous du nom de la voiture, il y a un certain chiffre. Et c'est en fait, c'est les speed points, c'est un peu l'argent du jeu. Et vous posez disposez en fait de deux comptes. Un compte du côté des pilotes et un compte du côté des flics, voilà. Donc j'ai aucune idée de combien de temps va durer cette vidéo. J'aurais dû regarder l'heure. Donc il reprend le menu Easy Drive de Most Wanted. Attendez, je vous fais juste une petite ellipse le temps que ça se charge, parce que je pense vraiment ce qu'on met. Et donc, on se retrouve sur Most Wanted. Putain, on se retrouve sur Rivals. Voilà, donc on se retrouve en ville. La maniabilité du jeu est parfaite. Hyper réactif, comme je les aime. Oh putain, mais j'ai même pas appuyé sur le A là. Ah, c'est qu'en fait, j'ai dû appuyer sur le turbo. Oh merde, c'est pas moi. Donc les sensations quand on joue avec une manette sont vraiment excellentes. Oui, il y a d'autres voitures que là. Donc voilà un pilote, IA, mais après on peut croiser des pilotes joueurs. Donc on peut faire des face à face, tout ça. J'ai appuyé sur quelle touche? Mais c'est le B normalement. C'est Y le turbo. J'essaie de freiner autant que je peux, mais c'est Y le turbo normalement. Faudra qu'on m'explique. Enfin bref, vous voyez, ce jeu est vraiment très sympa. Les graphismes sont magnifiques. Et moi qui n'ai pas un gros monstre niveau ordi, je trouve déjà le jeu magnifique. Alors les mecs qui se baladent avec 3 titans dans leur ordi, à voir quoi. Mais j'ai même pas appuyé. Bon, je pense que je vais avoir des problèmes avec la touche, il faudra que je règle ça. Parce que dès qu'il est prêt, en fait. Et comme vous voyez, j'ai pris des dégâts, mais en fait, ils se sont... Ouais, ça a rien fait, vu que je suis pas actuellement dans une course. Il a pip pip, si tu veux, je sais pas comment on fait. Non. Donc on retrouve le menu Easy Drive en haut à gauche, avec des épreuves, des GPS. Les joueurs, là, on peut pas les voir. Par exemple, j'ai demandé d'aller à l'atelier plus proche, donc voilà, il m'a défini un itinéraire, donc voilà. Un des raccourcis que je vous parlais.
Bah oui, ça s'affiche pas sur la map. Donc on peut voir la barre de N2O qui est la nitro. Et juste à côté du contour, on a le on a la barre de vie du de la voiture et juste au-dessus le juste au-dessus les dispositifs restants. Donc je sais pas du tout ce qui s'est passé avec les avec les dispositifs avec mon turbo et ça passe pas. Et donc à la différence de Most Wanted, au lieu de changer la couleur de votre voiture, ici ça la répare juste et ça recharge vos dispositifs. J'espère que je vais pas avoir de problème avec les droits d'auteur de la musique. Mais je l'ai même pas activé là. Ah, avec ça je me fais retirer mon permis. Le jeu est très agréable à conduire, franchement. Par contre, il y a un seul truc qui me manque, c'est la vue intérieure. Voilà, le turbo qui reprend en couille, putain. Le truc qui s'active comme ça, rien à foutre. Putain! Oui! Les accidents sont très spectaculaires. C'est franchement marrant, ça, d'avoir des accidents. Je sens qu'il va s'activer le turbo là. Même pas. Là c'est moi qui viens d'activer. Putain les vibrations de la manette. Pas le combi. Ah je peux pas le combiner à une conduite. Par contre il faut vraiment un peu de temps pour le prendre en main. Enfin, dans le sens de la conduite. Ou alors c'est moi qui suis une bite hein. Ça se peut aussi. Voilà, je vous montre un peu le jeu. On va aller à la planque la plus proche, donc je vais reprendre Easy Drive. Vous voyez, je vous ai pas vraiment montré de course, tout ça, parce que... Bah, c'est comme un jeu de course, quoi. On va essayer d'y aller le plus vite possible. Les drifts sont très bien gérés aussi. Et pour... j'ai oublié de parler de la barre de nitro. La barre de nitro, en fait... Attention, monsieur. La barre de nitro, en fait, se recharge chez les policiers quand vous roulez dans le bon sens. Et chez les pilotes quand vous roulez à contresens. Une Viper. Oui, ça pipe pipe si tu veux. Oui, regardez, juste au-dessus de la barre de nitro, il y a marqué contresens, c'est-à-dire que la barre se recharge en fait. Hop, allez. Ah, ça va être marrant ça. Je pense que je vais pas tout de suite retourner à la planque en fait. Eh. Donc vous voyez, c'est un flic juste devant moi. Voilà. Ah non, pas risque, hein, t'inquiète pas. Hop là. Bah il est où? Moi je me suis déjà évadé, c'est pas marrant. Donc là c'est vraiment... Ils ont pas vraiment suivi, parce que d'habitude on peut avoir droit à des courses spectaculaires avec... Alors voilà, on peut avoir droit à des courses spectaculaires avec des... Avec des hélicos, des barrages, tout ça. C'est limite comme dans Payday 2 quoi. Pour un mec ils envoient toute l'armée.
Allez, mais venez me chercher, je suis extra... Attendez, mais regarde, je me prends une voiture. Voilà, vous commencez à vous exciter un peu. Putain, je lag. Oulala, je rame là. J'aime pas trop avoir autant de voitures à gérer. Et comme vous voyez sur la minimap, vous pouvez voir deux flèches. C'est un raccourci quoi. Donc c'est pour ça que j'ai activé la nitro pour bien le prendre et j'espère que ça va passer. Oh, ça passe. Voilà, ils m'ont perdu de vue parce qu'ils ont pas osé me suivre. Alors ils m'ont suivi, ils sont crash. Quand même, mon niveau d'alerte a augmenté, mais on peut monter. Je suis monté d'une fois jusqu'à 6. Je sais pas si on peut monter au-dessus. Ah, vous êtes pas marrant, les gars. Allez, bon, maintenant je vais rentrer. GPS, planque la plus proche. Voilà, donc on va rentrer à la planque. Donc, les pilotes ont une planque pour. Se cacher des flics quand ils sont recherchés ou pour accéder à leur menu, et les flics ont des postes de commandement, donc c'est des sortes de rassemblement de camions. Bon, bah je vous montrerai ça tout à l'heure quand on va passer chez les flics. Hop là. Je pense que je vous ai permis tous les temps de chargement parce que je sais pas si ça vient de mon PC, mais le jeu est quand même à des temps de chargement. Sur la map en soi, il en a aucun. Quand vous êtes sur la map, en fait, vous pouvez passer de la balade libre à une course sans avoir aucun temps de chargement. Donc ça, c'est assez intéressant, mais quand vous devez sortir dans la planque ou rentrer dedans, c'est assez long par contre. Ah, j'avais pas vu celle-là. Faut que j'arrive de regarder ma barre de nitro quand on est. Non, le jeu a des très bonnes musiques. Non, je peux regarder si on peut pas changer de radio. Ah si si, on peut. Bonjour monsieur. Ah, une zone de vitesse directement derrière. Parce qu'en fait, il y a des. Sur la map libre, vous avez des radars et des zones de vitesse. Donc le but, c'est d'aller le plus rapide, d'avoir une vitesse moyenne la plus haute possible dans ces zones. Passer par là. Encore un flic. Ah, mais j'ai pas trop envie de l'exciter là. Peut-être faire diminuer ma vitesse sur la zone. Dans la zone, mais la planque est juste là. Donc on va y aller. Voilà, le turbo qui s'active. Je résiste. J'essaie de faire demi-tour. Oh, le camping car. Non. Oh. Bon, allez, on va se dépêcher de retourner avant que le turbo ne se réactive. Allez. Je sais pourquoi il lag, je pense qu'il aime... Non, vite, à la planque avant que ça s'active. Je pense qu'il aime pas que je recorde en même temps. Et voilà, qu'est-ce que je disais. Ah putain. Il doit pas du tout aimer que je recorde en même temps, parce que là je tourne à peine à 10, 12 FPS. D'habitude, je monte à 30, voire 50. D'autant aussi le fait que je suis en solo et que c'est moi qui héberge la partie. Voilà, donc je rentre à ma planque. Donc je rejoue après le temps de chargement. Et donc nous revoilà dans notre garage. Donc là il est en train de calculer mon score, donc ce que j'ai fait pendant cette session. Donc pas des masses. Hein. Voilà, 10 000 speed points. Et on va passer du côté des flics. Voilà, changer de voiture. On va prendre une voiture d'intervention. Je pense que c'est... Et quand vous voyez les stats entre deux voitures, change.
Les stats entre. Il n'y a pas que le décor qui. Enfin, le décor, là. Il n'y a pas que la forme qui change, il y a aussi les stats. On va quitter le garage et donc je vais recouper le temps de chargement. A tout de suite. Et l'encre. Donc voilà, on se retrouve avec notre dodge d'intervention. Oh, cette musique de merde. Ah non, mais. Vous voyez, comme vous pouvez voir, le compteur et la jauge de nitro et la vie ont changé de forme. Je suis totalement en mode flic avec mes lunettes de soleil et mes donuts. Qu'est-ce que t'as toi? Et donc je peux activer aussi mes gyrophares. Je peux activer mes gyrophares. Bon, il y a aussi des dispositifs, mais je joue plutôt du côté pilote pour l'instant. Et donc voilà, il y a un pilote là, on va essayer de le prendre en chasse pour finir cette vidéo. Non, s'il a pas des pop. C'est un des gros défauts, un des seuls défauts du jeu, c'est que les IA des pop. Ah non. Putain mais. Ah maniabilité de merde! Vous voyez le jeu quand il tourne à fond sur des titans ou des trucs comme ça, il doit être magnifique. Là, moi je le trouve déjà très beau. Allez, viens, foiré. Donc là, par contre, au niveau de la police, j'ai pas de niveau d'alerte puisque je suis ceux qui doivent choper les gars qui ont des niveaux d'alerte. Attention, contrôle, on a un 10-44 suspect dans les parages. Oui, je suis courant qu'il y a un 10-44. Et donc vu que j'ai un véhicule d'intervention, je vais essayer de le bourriner à fond. Où est-ce qu'il est passé? Il a dû prendre tout droit. Je vais essayer de le rattraper. Allez, en avant. J'essaie de fuir. Je t'ai vu, je suis à Chapa. Vous voyez, mon véhicule est hyper blindé en fait. Il est fait pour renforcer les autres voitures et leur péter la gueule. Vous voyez, sa barre de vie est descendue. Et vu que je suis rentré dans un pilote, et ben mon gyrophare s'est activé tout seul. Donc aussi une chose qu'on peut faire, on peut faire des combats entre pilotes, enfin, on peut faire des courses entre pilotes et donc entre deux joueurs et celui qui gagne le combat récupère tous les speed points de l'autre. Donc là normalement si je bats ce pilote, je devrais pouvoir récupérer ses speed points. Allez, putain. Comment une maniabilité de merde celle-là. Et c'est pas de t'enfuir. Oh, il y a une Shelby à côté. Vous voyez voir juste au-dessus de mes spin points, j'ai une sorte de rétroviseur où je peux voir les. Si c'est des pilotes ou des. Des pilotes ou des flics. Ah, je l'ai bien mis, Charles. Si j'en fous un autre comme ça, il va pas rester trop longtemps debout. Logiquement, ah, même pas. J'aurais pensé que le jeu ferait partie dans la même direction, mais non.
Non, il fait carrément demi-tour. Au bord de moi, ta fiole, viens me battre. Mais bloque-le, merde. Ah putain. Mais que m'importe la main. Vous voyez, ma barre de nitro peut se recharger de différentes façons en faisant des frôlements, des griffes. Oh, mais ça fait un moment qu'il y a recours à la force, non. Allez, arrête-toi ta fiole. Allez, comme vous pouvez voir, le véhicule est vraiment équipé. On peut voir qu'à l'arrière il y a une caméra pour flasher les gars. Je sais pas si elle marche vraiment, ce serait intéressant de savoir. Allez, hop là, voilà. Allez, il te reste quasiment plus rien. Je veux que je te refoute un coup et tu vas finir en tôle. Oh là, s'il survit à ce que je... Genre il a survécu. Comme le mien est hyper blindé, il a quasiment rien pris niveau dégâts. Est-ce qu'il va encore faire demi-tour? Non, je pense pas. Pourquoi il y a des... On m'expliquera pourquoi il y a des IR codes sur le côté. Donc là, s'il tombe sur un autre... Oh putain, là, le jeu commence à plus suivre. C'est bizarre, parce que d'habitude, ça tout passe bien. Je tourne à 30 FPS, c'est magnifique. Mais là, il a pas envie. Alors, en plein milieu d'une poursuite, je peux couper mes gyrophares. C'est moi qui veux me prendre à cause de lag. Non, ça passe. Il s'est même pas arrêté. Ah oui, c'est vrai que je pense pas qu'il y a pu s'arrêter. S'il avait pu s'arrêter, il aurait repris toute sa vie. On aurait dû recommencer à zéro. Allez, viens là, toi. Tu vas crever, oui. Tiens, prends ça dans ta gueule. Voilà. Et comme vous voyez, je viens d'arrêter un pilote. Attention, nous avons arrêté le suspect code 3. Placement en détention, à vous. Et ben, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vais retourner à la poste de commandement, j'allais dire à la planque. Alors, on va faire ce petit bout de chemin ensemble. S'il veut bien revenir. Ouais, je voulais regarder des spin points parce que je l'ai arrêté. Je sais pas pourquoi à chaque fois je lève la tête quand je vois pas la route à cause de la voiture. Ça change rien. Et merde. Donc voilà, c'est à peu près la fin de cette vidéo sur Need for Speed Rivals. Un film Need for Speed vient de sortir récemment, je l'ai vu. Et il est vraiment excellent pour les fans de voitures. Et il y a vraiment eu dans dessus. J'ai 1, 2, 3, 4. J'adore regarder ce film. Surtout que deux des marques qui sont mises en avant sont deux de mes marques préférées, c'est-à-dire Mustang, Ford et Koenigsegg. Donc Koenigsegg est beaucoup moins connu, mais qui ont créé, pour ceux qui connaissent, la CCX. Mais dans le film, on parle de la GRR. C'est la... Si vous faites attention, la porte s'ouvre d'une manière assez bizarre. C'est ça, c'est un peu la marque, la signature de Koenigsegg, quoi.
Et voilà, j'ai lancé la poursuite, j'aurais pas dû. Non, j'ai raté, je vais m'arrêter au poste de commandement. Il est là. Police, slow. Attends, c'est où? Ah non, il est de l'autre côté, moi je croyais qu'il était par là. Il est là. Donc vous voyez, c'est un peu un assemblement de camions fait à l'arrache. Comment on rentre là-dedans? J'avais même pu rentrer. Marche arrière. Ça a quoi le truc de ce côté là? Un poste de commandement juste ici. Donc voilà. On se finit sur cette magnifique musique. On se finit son kit sur cette magnifique musique et ce magnifique écran de chargement. C'était Shonen 92 de Team Black Dragon sur Night for Speed Rivals. On vend une 40aine d'euros sur Origin et que j'ai trouvé personnellement 10 euros à la Fnac. Salut à tous!